9 collèges dans l'Eure vont être reconstruits. Par exemple, Jean Rostand à Évreux, Le Hameau à Bernay, Broglie ou encore La Saussée. 5 établissements feront l'objet d'une restructuration. Ce sera le cas à Gravigny, à Aubevoye ou encore à Saint-André. Fait marquant, 2 collèges vont fermer leurs portes en 2018. Pierre Mendès France à Val-de-Reuil et Pablo Neruda à Évreux. Celles et ceux qui disent « je préfère garder un collège dans un état lamentable, à moitié vide, dans lequel franchement les conditions de travail ne sont pas optimales parce que c'est mon collège et que je veux à tout prix garder mon collège », c'est une posture complètement 19e siècle et moi je me refuse à ça. Le sort d'un autre collège n'est pas encore tranché, mais en l'état, il pourrait aussi fermer. Il s'agit du collège Jacques Daviel de la Barre-en-Ouche. Ce plan de bataille ne parvient pas à convaincre les syndicats d'enseignants, farouchement opposés aux fermetures. Ça a des conséquences au-delà de l'éducation nationale sur le quotidien, sur la vie des familles, puisque ça représente des déplacements, des repas de cantine. Dans une période où les gens ne roulent pas sur l'or, c'est une décision qui a des conséquences importantes et qu'il ne faut pas minimiser. Ce plan a aussi pour but de faire disparaître les collèges Payron jugés dangereux. Il y en a 14 dans l'Eure. Dans quelques années, il y en aura seulement 3. Autre cheval de bataille, s'attaquer aux places libres. Il y en aurait 4200 dans les 56 collèges de l'Eure. La carte scolaire sera rééquilibrée. À travers ce plan, Sébastien Lecornu propose d'investir annuellement plus de 20 millions d'euros dans les collèges de l'Eure.